Et bonjour à tous. Et oui, finalement, l'épisode des Virènes est là. J'ai eu un créneau eh bien, pour pouvoir vous présenter aujourd'hui avec Beyond Two Souls et Virènes. Oui, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il n'y aurait pas de Virènes. Et finalement, le voici, ce satané Virènes. Allez, c'est parti, on continue pour l'épisode 5 du coup des Virènes. Alors, hop, bien sûr. Alors, donc nous sommes avec Shelby. Alors, nous pouvons enfin déplacer. Allons voir ce qu'il y a ici. Donc Shelby, hein, qui est le détective privé. Il y a un petit bébé qui pleure. Il n'y a personne. N'est-ce pas un bébé tout seul? La porte est ouverte. Pas fermée avec. Quelqu'un? Madame Bowles? Une lettre? Oh non. Je n'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Prenez soin de mon bébé. Hey, salut toi. Eh ben alors, où est passée ta maman? Telle est la question. Où est la maman? Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va. Allez! Comment on a du mal à répondre des fois? Je vais appeler une ambulance. Non, je... S'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui. Je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Déjà. Avant de toucher une plaie, on se nettoie les mains. Ça veut pas répondre. le perso qui ne veut plus répondre. Pourquoi pas? Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça.
suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Ah, il m'en faut plus. Ça saigne encore. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Reste. C'est pas parfait. Mais ça ira. Bah, surtout que si elle s'ouvre les veines. Je suis pas médecin. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Peut-être refermées quand même. Hein. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien. Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Non. Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Alors, elle se suicide. Enfin, elle veut se suicider et elle s'inquiète pour son bébé. C'est un peu con comme réflexion. Pensez aux conséquences de ses actes. Bon, voyons voir ce petit bébé. Ah oui, j'ai oublié. C'est vrai qu'il est plein de sang, du coup. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh, à l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça doit aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hey, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Hey, la faim. On peut pas jeter la couche? Ah, l'état de la maison. Il y a beaucoup de propre à faire quand même, hein. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Il y a pas un, y a un câble électrique ou c'est à batterie? Hein? Ça a l'air, ça d'être à batterie. Hein? Moi, qu'on me demande souvent au boulot. Ah, tu peux chauffer ça au micro-ondes? Je dis souvent que ça existe. Voilà, la preuve. Ça existe. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, alors au toto.
Ah, bravo, Émilie. C'est la tête du chien, lui. Ouais. Ouais. Eh bien, c'est tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Gros toto. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule ? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous ? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je... n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître ? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose ? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone ? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Vous l'avez encore ? Oui. Il est dans un tiroir. Dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider ? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets. Alors, il y a un truc que je m'aperçois. Alors, je connais le jeu, hein, je l'ai déjà fait deux fois. Donc je sais quelles sont les raisons de mobile. Mais moi, si j'étais en train d'enquêter, je me dirais, mais déjà, le profil type de famille où leurs fils se font tuer, enlever, ce sont des gens de la classe moyenne. Hein, on prend elle qui essaye de s'en sortir. Hein. Dans sa petite maison, on a la mère de l'autre garçon qui est prostituée, pareil pour s'en sortir. On a le marchand d'épicerie qui a l'air de se faire beaucoup braquer puisqu'il est dans un coin voilà, à peu près sensible de la ville. Le seul qui fait un peu tâche, c'est Ethan. Alors peut-être qu'il l'a vu dans le côté un peu perdu avec son fils, donc il dit, ah, c'est dans le même type. Mais voilà, après c'est que mon avis, je suis pas experte, je sais que moi personnellement je serais enquêtrice, j'irais, ouais, même profil de type de classe, c'est que soit il a plus facile à s'attaquer à des personnes comme ça, ou alors c'est parce qu'il a besoin de recopier quelque chose. Et voilà, hein, je ne suis pas détective.
Ok, on va reprendre donc Ethan. Ethan qui doit aller voir pour une voiture, il me semble, dans le précédent épisode. Il a reçu un ticket de parking quand il a été dans la gare. Excusez-moi. Vous plaît ? Ah. Désolé, vous avez pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je viens chercher cette... ma voiture. Ben dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà. Elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est au fond du garage. Merci. Allez, bonne journée, monsieur. Bon, allez chercher la voiture. Bonne épreuve, alors j'espère que je vais la réussir. Vu que certains mouvements de ma manette ne sont pas trop reconnus, je sais que l'épreuve, ça va beaucoup marcher avec les mouvements de manette. Donc ça va être un petit peu, ouais, bah ouais. Ça serait bien qu'on réussisse. Après, si on loupe, c'est pas grave, hein. Ça permet de voir aussi un autre embrochement de chemin de jeu, hein, comme je dis. Alors. On va fouiller un peu ce qu'il y a dans cette voiture. Il y a forcément un indice. Un GPS. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Bon. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Thank you.
êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Ouais. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Mes mains tremblent. Je suis mort de trouille. Un petit peu normal. Je vais pas y arriver. Oh, t'as contresens. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Bon. Si je meurs sur cette autoroute, je ne pourrai plus rien faire pour sauver Sean. À contresens sur l'autoroute, sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils? Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. C'est là que le GPS se met à remarcher normalement sur l'autoroute. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Là, c'est le cauchemar. Ou alors, au pire, le frein à main pour faire demi-tour. Sur la pluie, on fait un petit aquaplaning. Hop. Je peux y arriver, allez. Allez, l'aquaplaning. Allez, 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 allez. Ah bah ça y est hein. Course poursuite. Loupé. Allez, de quitter, je crois qu'on a loupé. Allez, 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 allez. Quand il faut faire inverser. Je qui ne mets la pression. Allez.
Ah bah oui, hein, mauvais côté. Côté gauche qui fonctionne. On a trouvé les lettres. Ah, une partie. Ah, fiche boum. Petite voiture. Genre marcher. Alors retrouvons Madison Page. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De source policière, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origami qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il... Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. C'est donc tout ce que vous voudrez, poupée. S'ils veulent retrouver l'enfant vivant. Remplissez le registre. Alors, Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Je mettrai une chaise derrière la porte, même si c'est pas marqué. Ils ont toujours des doubles. Hein. Oh, le beau bug. Elle vole. Alors, suis-je trompé de chemin? Fort possible. Peut-être monter trop tôt. Hein. Je sais que c'est l'étage au-dessus. Mais Non. Monsieur, est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin.
S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Bon. Ah non, là, dans la 207, ça. Vous avez la clé? Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. On va s'occuper donc de Ethan. Donc ça commence à se rejoindre. Moi avec Ethan et puis son badge. Alors, on va commencer par la douleur. Antidouleur paracomol administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tiens, mange ça. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur, ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Ouais, c'est dangereux. Hein. C'est qu'il doit être plus fort hein, que ce qu'on a, parce que nous, c'est tous les 6 heures. Le paracétamol, tous les 6 heures. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. L'alcool 90 qu'il faut désinfecter. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Ah oui. Merci. On a tous connu ça quand on était si enfant. Hein, j'éviterai de bouger. L'alcool à 90 quand on tombait. Hein, je vous désinfecte bien. Après, une petite touche de mercurochrome. Ok, je vais vous aider. Maintenant, on n'en trouve plus hein, d'alcool à 90. Allez, maximum 70. À la maison, j'ai eu 70 maximum, mais. Non, 90, on n'en trouve plus. Hein. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Mais c'était efficace. Si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Oh, la petite comme vicieuse. Ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom? Madison. Logé aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. On fouille un petit peu, hein. On est curieuse. Même si dans la vraie vie, c'est pas moi qui irais fouiller dans les affaires. Là, c'est un jeu un petit peu polar, donc on se dit, tiens. Merci d'être resté.
Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Oh, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan. Bon, la deuxième épreuve. Le papillon. Première fois ? Pardon ? Que vous tuez quelqu'un. Ah ! Ça fait toujours quelque chose la première fois. Ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois. Je suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. Parce que du coup, j'ai eu un petit souci avec le... C'est lui. La sauvegarde. J'ai dû reprendre un chapitre. Bah, ça m'a gardé du jeu. Et dans une précédente partie, j'avais tué le. Nathael. Alors que, ensemble, on n'avait pas tué. Ouais. Tant pis. Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Allez, c'est parti pour une course-poursuite maintenant. Quel magasin a des poules vivantes pour tuer hein. Ils sont déjà empaquetés hein, normalement. Alors, la chambre froide. Thank you.
de pixels, hein, la viande. Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origami. Voilà. On a loupé encore une fois quelques petits QTE, hein, mais voilà. C'est... Alors, et ben on va se laisser là pour l'épisode 5 d'Epirène, qui finalement ne devait pas arriver aujourd'hui, puisque, ben, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo Beyond Soul, j'ai vu trop grand avec le Let's Play du samedi soir. J'ai vu beaucoup trop grand. C'est une question de faute de temps. J'arrive pas à faire les trois. J'aurais dû vraiment laisser, comme j'ai dit, l'esprit samedi soir, mais pas faire les trois jeux d'un coup. Parce que c'est vrai que bah, je m'en mêle les pinceaux entre les parties, les... tout ça. Bah, à côté, j'ai le Tomb Raider, j'ai le mardi découverte. Donc c'est vrai que je me suis pris le risque de me lancer un troisième, quelque sorte, let's play sur la chaîne. Qui finalement, je le fais, mais j'arrive pas à être synchro. C'est, en fait, quand je les tourne, généralement, c'est vraiment. D'habitude, je suis un petit peu de l'avance sur la chaîne. Là, c'est vraiment du. Vite, j'ai pas mon let's play du samedi soir. Vite, vite, faut que je le tourne. Donc, je suis pas. J'ai pas vraiment cette joie de jouer. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de garder. Les épisodes quand même pour ceux qui suivent, mais voilà, il risque d'avoir des jours, bah, il n'y aura pas une Teen Dawn là comme là, mais la semaine prochaine il y aura une Teen Dawn, et peut-être qu'il n'y aura pas d'Eviren, ou peut-être qu'il n'y aura pas de Lyon, tout seul, voilà, ce sera à voir. Après n'hésitez pas à me dire dans ce commentaire quel est, sur les trois let's play que j'avais proposé, hein, Eviren, Beyond Soul et une Teen Dawn, celui que vous voulez vraiment à tout prix regarder. Parce que ça varie par rapport aux semaines, point de vue des vues que j'ai sur ces trois vidéos. Il y a une semaine, ça va être beaucoup Heavy Rain. Il y a une autre semaine, ça va être beaucoup Begging to Soul. D'autres, ça va être beaucoup Une Teen Dawn. Donc, n'hésitez pas à me dire. Ça me permet comme ça de savoir lequel que je peux me baser. Et puis voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Let's Play sur la chaîne. Allez, à bientôt.